c'est là-bas qu'on va monter. Mmh. Bon, je vais faire une vidéo pour les amis qui ont demandé qu'on puisse filmer l'OMS et Sangolo. Je vais voir ce que je peux faire ce soir. Donc voilà. Donc là, c'est le pont du Dieu. Devant moi, il y a même un bus de l'OMS. Sauf qu'ici, il y a tellement trop de trous que les routes sont cassées. Après, je sais pas, le véhicule là, il prend quelle direction, il monte pas là-bas. Est-ce qu'il faut que je le suive? C'est pour aller à l'OMS. Hein? Là-bas? Mm-hmm. Et nous aussi, là, on va se vers l'OMS. Hein? C'est pas après ma photo. Non. Parce que là, c'est pour aller vers, tiens, le Mantimo. Et le, il va ressortir par l'OMS. Bah oui, c'est ça, nous, on va là-bas. Hein? Nous, on sort, on va. Tu sais, vers le Mayanga, là. Ouais, mais c'est pas là-bas, Mayanga. Comportement ça. Là c'est pour aller à Sangolo. Oui mais eux ils habitent là-bas. Ah, oui. Hein? Là on va là c'est après Sangolo. Tu es sûr? Oui. Moi je me rappelle c'était là-bas. Hein? Donc, il fallait prendre par là. Non mais là on va parce que les gens demandent par ici. D'accord. On passe par ici sur la voie normale que tout le monde connaît. C'est vrai que là-bas où c'est bien sinon peut-être on fera un retour. Mais bon c'est le retour il fera nuit. La route là on l'avait déjà emprunté je me rappelle. On va sortir vers le Kamakala là-bas je crois. Oui voilà c'est ça, ça sent pas. Parce que je l'avais fait aussi. Ah quand tu avais la vie, je crois que c'est ça non? Oui. Bon, mais nous on prend cette, cette route là. La maman il fallait qu'on passe par là comme. Parce que bientôt on va faire, on nous a demandé aussi beaucoup. On va faire les mêmes itinéraires, après on fait le même truc. Ah, finalement la maison elle a fini. Tu rappelles cette maison non? Non. C'est là où on était venu voir le chef de quartier, non? Mmh. Et là c'est au-dessus de la tige là. Non, c'est là-bas. Si on est vers Brossette, le terrain où il y a eu le tige, c'est ça. D'accord. Voilà, c'est là. Tu vois, non? Mm-hmm. Nous, on était venus ici. Ah, oui. Maman, la route là aussi, elle vient sortir ici. Mm. Si tu montes, toi. Mais nous, on va monter par l'OMS normal, quoi. J'ai été une fois quand j'étais enfant. C'était après, tu sais, quand tu dépasses le Maroma. Ah, c'est là-bas. Quand tu prends la route là qui va vers Mayanga. D'accord. Moi, c'est comme ça que j'ai connu là-bas à l'époque. Mais là, j'arrive pas à joindre l'entrée. Elle n'est pas joignable. Ben, je l'appelle, c'est sûr qu'elles sont dans plein bruit. Elle ne prend pas. Comment tu veux? J'ai essayé d'appeler aussi Edès. Edès aussi, j'ai son numéro. Peut-être Edès n'est pas là. Oh, il ne peut pas manquer là-bas. Hmm. Venir, c'est quand même chez son père. Ça m'étonnerait qu'il soit pas là-bas. Écoute, nous on va. Hein. Je vais arriver jusqu'où je sais. Parce que Londres elle a dit que là où elle habite, elle est partie seulement à pied. Ah, donc c'est pas là-bas. Donc, okay. Ici, tu sais, je te rappelle. Là, là, on était venu faire le test PCR l'année dernière. Hein? Non, c'est pas ici. Là-bas, c'était à Madibou. Le test PCR, c'est à Madibou. Ici, c'est là où habitait Milongo à l'époque. Mm-hmm. Comment on appelait ça? C'est là, ma c'est Mafuta, le Bédel. Ouais, là, c'est Mafuta. Non, mais ils sont là-bas, ils sont là-bas. Oui, je sais. Mais je veux dire que la place. Parce que Madibou, c'est plus loin là-bas. Tu vois, non?
tu vas aller vers les Bocaux, tout ça. Et là, c'est. Là, nous, on va prendre par ici pour passer sur la route de l'EMS normale, quoi. D'accord. Parce que là-bas, ils ont fait un raccourci. C'est là, à droite. Voilà, c'est ça. Ici, je comprends. Donc, pour aller à l'EMS normal, tu vois, c'est mérité là-bas. Donc, pour aller à l'EMS normal, c'est vrai. Les amis, quand même, ont fait ces travaux. Hein. L'EMS normal, tu vois, c'est la voie là, d'habitude, quoi. Donc c'est par ici qu'on devait arriver, non? Oui, oui, si on avait emprunté l'autre. D'accord, ça c'est l'OMS qui est connu, quoi. Alors, les routes d'avant. Les choses n'évoluent pas trop. Ça n'a pas trop changé. Hein. Et là, c'est Pibis. Là, on venait à l'OMS. Là, c'est l'église catholique. Pibis. On va faire demi-tour dans un premier temps parce que on va passer quelque part, donc on va continuer un peu plus loin. Mais bon, vous avez vu l'OMS, la route de l'OMS est toujours là comme d'habitude. Les bâtiments sont là. On fera le reste plus tard. Pour l'instant, au moins vous avez vu un peu, et puis au moins l'OMS vous avez vu. Donc après, on va continuer. Non, là-bas, c'est ma fouta, tu dis. Moi, c'est cher. Là, ouais, tu connais, non? Oh non, je connais pas, mais quand elle explique, j'essaie d'imaginer. Parce que là, si tu montes par là, tu finis l'EMS, ça va être Sangolo. Sangolo, après, ça va être Mayanga. Or, aussi, c'est Machis, c'est de l'autre côté. D'accord. Tu vas faire Masuta, tu vois. Et après tout là-bas, bon, bref, comme tu sais, on change. Donc peut-être du changer de domicile. Ah, un peu de jour de l'école, non? Vous allez voir le côté des terrains de golf encore. Ça, c'est par ici. Après quel itinéraire? Ça, c'est ça qui va
remonter sur la route de... Ah, là, moi, je vois ce que je vois. On est encore à Saint-Valmès, quoi. Voilà. Il faut retomber sur la... Vers Mafuta, là, pour remonter à droite. Voilà. T'as tout compris. T'as vu, là, le terrain de golf, là? C'est pas mal, non? C'est propre. Ouais, ça va. J'ai fait ça à pied. Salut. J'étais allé chez Tabéja à Saint-Denis. Et je n'arrivais pas à voir un taxi par ici. Je suis descendu. Ah, t'es descendu jusque là à pied. Saint-Denis jusqu'à chez ton frère. Ah, d'accord. Ouais, mais bon, c'est pas trop loin. Après, ça dépend des chaussures que t'as. Les talons. Ouais, ouais. Ils ont mis ça ici. Ça, ils ont... Ah, ça a marché qu'ils ont construit carrément. Non, ils ont mis quand même un marché, c'est officiel. C'est bon. Oh, c'est écrit, c'est pas marché. C'est aussi un du nom. Ah, c'est aussi un nom qui est acheté là. Ou qui loue, je sais pas qui a acheté. Ah, oh, d'accord. Je vois. Gratte la gorge. La gorge me gratte. Ça, c'est pas le foie. Mais sinon, tu peux mettre comme ça. C'est du foie. Les odeurs là, de produits qu'ils ont aspergés là-bas. Ah, d'accord. Ça m'a séché la gorge. La route aussi de... Donc là, on reprend encore la route principale pour aller là, sur la une, quoi. Pour continuer jusqu'à... Parce que le problème ici, non, tu vois... Ici, le problème, c'est que la nation 1, là, on l'a pas agrandi, donc du coup, la population. Donc, c'est pas ici les deux tonneaux, là. Après, la pharmacie doit être par ici. Hein. C'est les deux tonneaux. Après, elle a parlé d'une pharmacie. Ouais, mais ça doit être devant, là. Parce qu'elle a dit, c'est dès qu'il y a la pharmacie, on monte. Elle dit qu'il y avait deux pharmacies, là. C'est laquelle il faut qu'on monte. Dès qu'on voit la pharmacie, il y a une sortie. Tu vois là, il y a des briques qu'on vend là. Les briques chinois là. Là, tu veux pas la pharmacie jusque là. Tu sais que tu vas pas être ici, non? Kinsana, c'est pas un hein? Non, c'est là où on prend des briques. Hein. Ouais, je sais, mais Kinsana, c'était pas laissé, non? Ouais, je sais pas. Ouais, il y a pas de position ici. Tu penses? Ouais, je pense. Mais bon. Parce qu'après, toi, bah, Fouda, c'est ma position. On va nous aider par les internautes, parce que moi, ici, ça me dit pas. Je connais pas trop. C'est
que ça peut être aussi là où je partais. Parce que tu sais, les routes là se rejoignent. À l'époque, pour aller à. Tu sais, pour aller à. Comment on appelle ça? Là, c'est Madibou. Ils ont écrit Madibou là. National, on peut l'appeler. National numéro 1 Madibou à Le Faubourg. Elle est la vête. Donc, c'est Madibou après ma chicha, je crois. C'est ce qu'elle a dit, hein? Non, 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 frère, j'imagine pas, je sais pas. Après, tu peux l'appeler, hein. Parce que là, il n'y a pas de pharmacie. On va dépasser un peu. Non, c'est mal, non, c'est mal. Oui. Même chez Dany, non? C'est par là qu'on passe. Et là, c'est marché, on marche, on a dit. Les gens vont dehors, c'est pour ça que c'est comme ça on sort. Ah mais ici pour passer, c'est compliqué, hein. Madibou, donc l'OMS Madibou, là c'est le retour. On va arriver jusqu'à Massissia et puis après on va arrêter la vidéo parce que ça bouge en trop et puis c'est trop compliqué pour nous. Surtout vers le marché là. Là et à l'embouteillage, vous passez ici, c'est compliqué. Entre les gens qui traversent, les... je ne sais pas si ça vous dit cet endroit. C'est pas évident par ici. Je pense que par ici, il y a aussi, une possibilité pour aller à. Non, c'est. J'ai lu, c'est. Gomatsi. Gamakosu, c'est pas là-bas. Gamakosu, c'est pas ici. Mais si. Il y a une possibilité pour aller là-bas. En Gamakosu? Je sais pas, Madjibou, il y a une possibilité. C'est ce que on m'a expliqué dernièrement. Ah bon? Il y a une possibilité par ici. J'ai pas d'infos sur ça. J'ai aucune information sur ça. Parce que mon Gamakosu c'est vers Gomatsi. Ah d'accord. Gomatsi. Le problème.
sais pas si vous avez remarqué, dans les bus, déjà, les gens ne portent pas les masques. Les gens ne portent pas les masques. Et dans les bus, les gens, ils sont blindés. De blindés. Je vous dis, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais... Ça chauffe, hein, je sais pas, hein, mais bon, le confinement, il n'y a pratiquement pas de confinement. Là, vous voyez les gens dans les bars. Il n'y a pas de confinement, sauf les jours de marché. Les jours, il n'y a pas de marché. Il y a le confinement officiel, du genre, pas de marché. Rentrer sous vos gardines. Dit mercredi et dimanche. Oui, je sais, mais. Il y a le couvre-feu, mais pas le confinement. Oui, mais le problème, c'est qu'après, quand on ouvre, les gens, ils sont. Ils sont tassés. Donc, c'est quoi la différence? On ne parle pas de confinement, il n'y a pas de confinement. Oui, ça j'ai compris, je comprends ce que tu veux dire. Mais en sorte, ce qui me ferait, c'est que là, on va dire, ah non, bon, on ferme, par exemple, les bars à 21h. Mais ça c'est le couvre-feu, ça n'a rien à voir. Ça fait partie des mesures de lutte contre le coronavirus, mais c'est pas le confinement, c'est le couvre-feu. Les jours de la semaine, ouais, ça j'ai compris. C'est 23h, samedi, dimanche, c'est 20h. Les autres, tout le monde sait quelque part. Qui va où? Ah, si ça, c'est par ici, j'avais raison. Mais elle nous parle de pharmacie, il n'y a pas de pharmacie ici. Non, mais ça dit que parfois, c'est les pharmacies qui ont fermé. Et les endroits ont gardé les plats, le mais nom de pharmacie. Comment savoir quand tu t'habites pas ici. Si tu n'habites pas ici, tu souffres comme on a souffert là. Tu vas te balader dans tous les sens. Et parce que c'est que ma chicha, c'était par ici, je disais. Parce que je me rappelle. C'est ça que je disais, ma chicha, ma djibou, nganganingolo, j'avais dit ça. Ou l'inverse, quoi. Voilà. Et je ne sais plus. Mais ils ont leurs habitudes, ils ont gardé. C'est comme quand on dit sur les manguiers, il y avait un arbre. Après, si l'arbre, on le coupe, le nom reste sur le manguier. C'est comme ça au Congo. En sorte, il n'y a pas d'adresse parfois. Quoi. Donc, c'est juste ces références parce qu'il y avait quelqu'un qui habitait là où il y a quelque chose qui s'était passé. Voilà, c'est... Oh, l'embouteillage. C'est ici qu'on était venu faire le test de Covid. Arrêt, je sais pas. Mais oui. Arrêt, je sais pas quoi là. Il y a un arrêt qui est connu ici là. Mais même l'arrêt là aussi, le truc qu'ils avaient dit n'existe plus. Mais les gens gardaient l'arrêt. Donc pour des gens qui veulent faire un test de Covid quand ils seront en vacances, c'est par ici. Droite. L'arrêt, je sais pas quoi là. Vous ils font ça aussi au laboratoire, bien sûr. Ou sinon, c'est le laboratoire national vers la présidence là. À l'aéroport aussi, mais à l'aéroport c'est plus cher. Ici c'est 20 000 francs. Au laboratoire national c'est 20 000 francs aussi. À l'aéroport c'est 50 000 francs, c'est ça. Donc c'est bon à savoir. Voilà, ici c'est l'autre qui disait. Donc les deux fûts là sont là-bas. Donc elle est là. Elle est forcément par ici. C'est pas si c'est la dame là, là-bas. Qui est là-bas. Là non. Elle est là à gauche. Oh. Donc c'est ce que je disais, mais pas de pharmacie ici. Mal m'a pleuré.
Bon, donc, vous avez bien vu qu'on était à partir, on est passé par l'OMS, on a fait Madibou, et là c'est le retour, on s'est arrangé de filmer aussi la nuit, pour vous faire la journée et la nuit sur ces routes-là, pour voir un peu comment ça se passe ici. Donc voilà, on vous laisse découvrir. Donc, nous on a profité aussi de faire un petit tour, on a été voir la famille, parce que comme il y a beaucoup de fêtes ces derniers temps au Congo, les mariages, les dotes, donc voilà, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait découvrir un peu l'ambiance Malheureusement, là-bas, on n'a pas pu filmer. Non, on n'a pas filmé parce que, bon, c'était un peu privé, hein. On n'a pas filmé parce que, bon, on n'a peut-être pas pensé à le faire. Mais je pense qu'au début, là, quand on était rentré, il y avait la petite ambiance, là, je pense que ça a été filmé. Parce que j'avais pas arrêté la caméra, je faisais même pas attention. Si, ma caméra était... Il faut que j'enlève une bonne partie parce qu'après, je faisais même pas attention. Il y a eu plein de choses qui sont rentrées dedans. Je suis sûr. Quand on est venu nous chercher là. Par l'entrée. Oui, même quand on est monté jusqu'à là où il y avait beaucoup de gens, tout ça, ça filmait. J'avais pas coupé, je crois. On va vérifier ça de toute façon dès qu'on rentre. Et en même temps, je voulais aussi vous dire, je sais que ces derniers temps, on nous demande de filmer à gauche, à droite. Par contre, ce que j'allais vous dire, essayez d'abord de regarder sur la chaîne. Hein, vous pouvez normalement faire des recherches parce que, en gros, moi, je pense qu'on a presque tout filmé. Hein, on a presque tout filmé. C'est vrai que il y a des demandes, mais parfois on me demande des choses qui sont déjà filmées. C'est ça, non? Mm-hmm. Des endroits qui sont déjà filmés. Ouais, des endroits qui... Par exemple, Kintele, je pense que ça a déjà été filmé. Hein, à ma connaissance, quoi. Après, c'est vrai que c'est difficile de voir de se retrouver, surtout si au niveau de l'intitulé, au niveau du titre, s'il n'y a pas marqué, par exemple, on a l'habitude de mettre, par exemple, centre-ville, villa et tout ça, si ça, c'est pas marqué. Non, ça, j'avais marqué, je marque toujours. Ou sinon, enfin, le mieux à faire, c'est de, enfin, en répondant, on met le lien quand même. Que la personne se retrouve facilement. Ah oui, mais j'ai commencé à le faire aussi. Mettre le lien. Après aussi, pour te compléter, tu vois, quand on demande de refaire un trajet, moi ce que j'appelle des projets, quand on refait un trajet, n'oubliez pas qu'on est obligé de refilmer le début. Et j'ai vu aussi des gens qui me disent, oh mais on a... Ça a déjà été filmé. Ça a été déjà filmé, mais oui, mais... Moi, parce qu'on ne peut pas débouler comme ça et arriver à l'endroit voulu. Ou à l'endroit demandé par nos chers amis, nos chers internautes, il faut bien qu'on arrive de quelque part. Il faut monter l'itinéraire voulu. Il faut faire l'itinéraire il faut faire carrément l'itinéraire parce que la personne par exemple qui nous demande, je donne un exemple. Là on nous a demandé de filmer Madibou, l'OMS. Mais pour arriver à Madibou et l'OMS. Il faut passer par exemple, par Bifouti, le pont du Doué, voilà. Et donc, du coup, par exemple, là, je n'ai pas filmé tout ça, mais bah, la personne qui demande va rien comprendre. Parce que on va me dire, mais comment on arrive au pont du Doué? Ça aussi, ça va être aussi un problème. Comment on fait pour arriver au pont du Doué si on ne passe pas par... Et donc, du coup, par exemple, il y a aussi des gens qui me disent, oh, mais vous filmez seulement la partie sud ou des choses comme ça. Mais bon, après, ils demandent. Hein. Là, par exemple, on est en train de passer sur le pont de Dieu, là, dans la nuit. C'est un peu risqué. Il y a beaucoup de trous en plus. On ne voit que dalle. Donc, il n'y a pas la lumière en plus. Donc, du coup, c'est compliqué. Hein. Ici, on casse les voitures. Quoi. Après, devant, on voit la police. Là, la limite, il y a un petit truc là, qui clignote. Là. Je ne sais pas pourquoi. Il est au téléphone, je crois aussi. Ou je ne sais pas.
Ouais, mais regarde-moi ça, l'autre véhicule qui fait. C'est tout et n'importe quoi ici. Bon, après, il y a des embouteillages, ça, par contre, il faut que je vous le montre. En gros, ouais. Et puis, ils aiment bien donner les phares, quoi. Oui, mais c'est ça le problème. En sorte, ici, comme il y a une seule. Il y a juste la nationale, une. Et donc, les gens qui rentrent, là encore, heureusement que ce n'est pas le couvre-feu déjà. Donc, vous allez voir, là, il y a un bouchon, mais incroyable. Donc, tout est bouchonné. Et ouais, les gens ils déboulent quoi. Je sais pas, je vais essayer un peu de m'arrêter là deux minutes. Bah, je vais acheter des maboké au fait. Je me suis rendu compte qu'on vend des maboké ici. Désolé, je fais une pause. Donc là, on a fait une petite pause pour acheter un petit maboké. Les gens qui se gardent très mal, là on est obligé de faire quelque chose qui est pas bien. Oh, les gens ils sont graves ici. L'autre aussi se gare mal devant. C'est toujours les mêmes trucs quoi. T'avais déjà filmé le. Oh. T'avais déjà filmé ma tour. Ma tour. On passerait pas par là. La nuit, on a déjà fait ma tour, non? D'accord, ok. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus si j'avais fait ma tour la nuit. Qu'est-ce qu'on pense? Je vais passer par là, non? Hein? On passe par là, non? Où c'est? Par ma tour. On passe par ma tour la nuit? Ouais. Bon, allez, je suis ton conseil. Voilà une voiture qui déboule là. Toujours en train de doubler par la droite. Oh, je te dis pas quoi. Ça, je n'ai jamais compris quoi. Donc là, on va filmer. On passe par ma tour là. Je sais plus si on a déjà fait ma tour la nuit. Je ne me rappelle même plus. Mais bon. On le fait quand même. On le fait parce que c'est quelqu'un aussi qui m'avait demandé ça. Oh, c'est compliqué. Hein? C'est pas éclairé ici. Quoi. Non, c'est pas du tout éclairé. Je répète toujours la même chose, mais les gens aiment rouler avec les phares. Mais enfin, ça y est plus. Quoi. Ah ouais. Donc là, on est pas au village. Hein? On est à ma tour, ce monde. Ma tour, pour ceux qui connaissent. Voilà, on est juste à ma tour, mais on se croirait carrément dans un petit village au fond de. Et ça commence par ici. Là, bon, on a les lampadaires. Là, on a la lumière. Là, il y en a les lampadaires. Donc, voilà. Parce que là, si vous voulez, il y a. Donc, du coup, là, à droite, ouais. C'est pour aller au centre-ville. Voilà. En passant par la corniche. Par la corniche. Et là, c'est. Là, on est en plein ma tour. Voilà. Ah, je me rappelle quelqu'un qui m'avait demandé de filmer ma tour. Donc, je pense que ça, on va dédier ça à la personne qui nous a demandé de filmer ma tour. Voilà. Donc là, vous avez ma tour dans la nuit. C'est pas facile, hein, les amis. C'est pas du tout facile. Donc, l'église protestante. Je sais qu'il y a beaucoup d'impatience. Hein. Je vois des gens qui me demandent, oui, mais pourquoi vous ne filmez pas ça? Les vidéos, on les a. On a presque tout filmé. Donc, il faut savoir aussi, c'est un travail. C'est-à-dire que il faut les filmer, il faut visionner, il faut les retravailler, il faut faire le montage. Vous savez qu'Internet au Congo, ça ne roule pas comme on pense. Il faut après... le débit n'est pas comme en Europe où ça va très vite. Mais bon, ça va quand même, on ne faut pas aussi trop se plaindre. Mais n'empêche que presque toutes les machines tournent toute la nuit, quoi, 24 heures sur 24. Parce qu'il faut télécharger, il faut donc. En plus, comme vous demandez des vidéos aussi pour beaucoup de minutes, donc plus il y a des minutes, plus le fichier est lourd. Donc du coup voilà quoi. Et là à droite il y avait une église, l'église catholique Saint-Charles Luanga. C'est ça, oui. Et là c'est l'arrêt sénégalais. C'était un arrêt qui était célèbre aussi à l'époque. Il y avait un gars qui vendait du pain ici. Il y a peut-être 30 ans de cela, je pense. On appelait Yabash. Il vendait du pain avec tartiné, quoi. Du beurre.
Donc c'était célèbre quoi. Margarine. Ah d'accord. Ah ok. Par contre, j'avais promis un truc, mais ça je le ferai aussi. Tu sais, il faut qu'on filme. Tu sais là où les gens vont se lever le matin là. Ouais. Et par contre, j'irai filmer là-bas un soir. Tu vois, non? Comme ça, ça va faire. Ça donne des idées aux gens, quoi. Oh, mais on avait filmé ça en passant. Oui, mais le problème, on n'était pas descendu. Moi, je voulais qu'on puisse descendre pour aller bien filmer l'ambiance à l'intérieur parce qu'on était de passage. Donc, du coup, c'est pas du tout pareil, quoi. Bon, heureusement qu'ils ont mis des dodanes sur cette route parce que sinon, la nuit. Comme ça, les gens roulaient vite. On va arriver à l'arrêt Bourreau, c'est ça. Voilà, c'est. On est à Bourreau, là. Ah, ouais. Voilà, là, c'est l'arrêt Bourreau. Il y avait un bar à gauche qu'on appelait Bourreau. Ouais. À droite, ça y est, je pense que ça n'existe plus. Ah, mais t'as vu la route, là, comment elle est sur. Et à ma droite, en fait. On peut arriver jusqu'à Mpissa parce qu'ils ont arrangé. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'embouteillages par ici. Regarde ici, là, les gens n'attendent pas. Il y a les sans-sans, donc. C'est limite catastrophe. Je lui dis, maman, c'est quoi les sans-sans? Et là, non, il a compris parce qu'il sait que maintenant on paye 150. Avant, on payait 100 francs. Et puis. Là, c'est l'arrêt 4 qu'elle passe, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ici. Marché ici dans la journée. Il y a des denrées qui arrivent du village, des fruits, des manioc et tout ça. C'est par là. Ouais, mais toi, tu me disais que tu voulais t'arrêter à voir quelqu'un, non? Oui, bien sûr. Attends, on va voir quelqu'un au fait. C'est comme l'océan du Nord aussi. Ça va à Pointe-Noire. Ouais, ça va à Pointe-Noire. C'est quelque part là que je voulais m'arrêter. Ah, tu voulais t'arrêter là pour voir quelqu'un. On s'est fait un petit coup. Ouais, je vois. En plus, c'est une voiture qui s'est garée. Donc, du coup. Oh, les gens, je touche pas quoi. Donc l'ambiance dans la ville quoi. Filme un peu l'ambiance dans la ville. Donc là non, j'ai essayé de frapper hein. J'étais tenté de sonner, je pensais qu'il y avait une sonnerie, mais non, il n'y a pas. Essaye de l'appeler, hein, voir si. Ouais. Ou sinon, ouais. Essaye d'appeler, ou sinon on continue, je ne sais pas. On verra ce qu'on pourra faire. Je perds ma voix, j'ai ma voix cassée depuis hier. Où elle va arriver? Comment on fait? On l'attend? On l'attend ou on fait un tour? Ok. Donc là, nous sommes pratiquement au rond-point de Makelekele, à la mairie hein, de Makelekele. On va avancer pour pouvoir vous faire découvrir, continuer à vous faire découvrir ce qu'il y a d'intéressant dans ce secteur. Donc on est à Makelekele, l'arrondissement 1 de Brazzaville. Voilà, donc je vais arrêter momentanément la caméra et puis je vous reprends dans quelques secondes. Bon, on va continuer. Comme on a dit, on revient dans 10 minutes. Question de. Parce que comme c'est là, c'est pas là qu'on va monter les studios. C'est là qu'on va mettre les studios du forum, là, pour le projet du forum, pour accompagner les jeunes. Donc là, on voulait voir le gardien, mais il n'est pas là. Donc on l'a appelé, on va revenir plus tard dans 10 minutes. Pour l'instant, on continue de faire le projet là. On continue le projet là, on continue le circuit.
Là, on est au rond-point Makelele, la mairie, là, c'est l'hôpital. Et là, c'est la sortie hôpital. Oui, donc c'est pas mal. Donc, on fait découvrir l'ambiance dans la nuit, comment les gens se baladent. Il y a les grillades un peu partout. Voilà l'ambiance un peu du soir. On est vendredi, c'est bien ça? Vendredi soir. Vendredi soir. L'avantage du couvre-feu aujourd'hui, c'est à 23h. Donc là, il est presque 19h. 3h. Il y a quand même un peu d'embouteillage. Donc voilà. Donc là, on va arrêter à l'Angola Libre parce qu'on a déjà fait, je crois, devant là, on a déjà filmé. Donc on va arrêter la vidéo par ici.